en principe, je dois introduire le débat. Je te remercie pour cette présentation fort, fort intéressante. Merci. C'est pour vous, c'est... Non, ça stimule mon imagination et j'imagine que ça a stimulé la vôtre. Enfin, j'espère, parce que je ne vais pas parler pendant 10 minutes. Oui, avec la langue, j'ai inventé beaucoup de mots en français. Ah, non, mais c'est très bien, comme ça, c'est un petit côté... mais je fais pareil aussi. Hein. moi, je retiendrai surtout, alors peut-être que je me trompe, mais finalement, comprendre l'imagination ou la frontière entre l'imagination et la création, j'y vois, alors je vais dire un gros mot, une question d'empathie. Dans ce que tu disais de comprendre, en fait, c'est le fruit d'une culture, l'imagination n'est pas la même suivant les peuples, les civilisations, et même éventuellement entre le sexe des personnes qui imaginent quelque chose, entre leur âge, leur catégorie socio-professionnelle, et j'y vois un lien, alors pour ceux qui étaient ce matin, avec ce qu'on disait par rapport aux jeunes qui viennent de l'université sans pour autant prendre des cours, mais viennent en fait boire des bières sur l'herbe. C'est un peu la façon dont ils se représentent l'université et comprendre leur pratique ou leur culture, c'est aussi important pour comprendre l'imaginaire qu'ils ont de la fac. Et il me semble que, donc, pour interpréter l'imagination et la création des peuples, il faut une certaine empathie, comme pourrait l'avoir un psychologue ou un psychiatre. Oui, oui. Mais Lacan, pour exemple, dit que c'est un lien psychologique. La création, c'est un lien psychologique. C'est-à-dire que nous pouvons imaginer des choses. Mais dire exactement qu'est-ce que c'est l'imagination, ce n'est pas possible. Je peux dire mon opinion. Je te dis que l'imagination, pour moi, c'est un important moment d'évasion, c'est un important jeu de mots, c'est la réalité où nous vivons. Mais l'imagination, ce n'est pas universel. Je suis un fantasiologue, c'est-à-dire, j'ai toute l'imagination, mais c'est un territoire impossible, parce qu'il y a, chaque culture a de différents concepts d'imagination. Vous Français, nous Italiens, seulement, j'ai parlé seulement de la différence entre les deux mots, imagination et fantasy. C'est une frontière incroyable. Parce que nous, Italiens, dire qu'ils sont de synonymes. Vous, pour exemple, oh, je l'ai dit à Valentin, oui, hier, nous Italiens, quand nous parlons de votre imagination au pouvoir, nous dirons l'imagination au pouvoir ou la fantaisie au pouvoir. Mais pour vous, ce n'est pas la même chose, dire la fantaisie au pouvoir. C'est un concept de choses seulement imaginées. Quand l'imagination, c'est entendu, l'imagination au pouvoir comme un stimule de réguler le système politique, le nouveau dans le système politique de 68. Hein? Oui. Ouais. Mais c'est très difficile dire précisément qu'est-ce que c'est l'imagination et, à mon avis, qu'est-ce que c'est la frontière. Parce que la frontière, c'est le résultat d'un acte de création. La création vient de l'imagination, mais qu'est-ce que c'est l'imagination? Et aussi, le problème, c'est la culture d'un peuple. Je, comme Italien, je peux répondre comme un Italien. Je dis que l'imagination, c'est un ensemble de relations entre des choses. Par exemple, mais vous me pouvez dire non, pour nous Français, l'imagination c'est tout le mot, par exemple. Et je ne peux pas dire, bon, c'est un erreur, ouais. C'est, ouais, l'imagination. Donc c'est le dernier mot, je n'ai pas compris. Ouais, merci. Oui, aussi c'est très difficile. Et aussi pour expliquer le limite, la frontière, j'ai tout l'imagination dans la discipline scientifique, linguistique, littéraire, artistique, musicale, mais poser la différence entre l'imagination universelle, ce n'est pas possible. J'ai écrit beaucoup de livres sur l'imagination, mais c'est mon opinion de l'imagination. Ce n'est pas le concept universel. Et aussi, mon opinion crée la frontière, la différence.
et la différence. Et si vous voulez, il faut en mettre une trace. Oui, c'est pour mettre une trace. Et donc, enfin, si. Oui, ça m'a dit. Si je vous suis, bien sûr. Et j'essaie de faire un truc. C'est ça. Ça marche, hein. Voilà, ça marche. Non ? Non. De toute façon, on t'entend tous bien, c'est bon. Oui, mais c'est pour enregistrer par rapport à la caméra. C'est bon, c'est pas le mec. Ah, c'est le bar. On vient au bureau poser sa question. Et donc, si je vous suis bien, par rapport à... Bon, on a dit que c'était difficile de définir les frontières d'imagination, du coup, peut-être qu'on n'a aucun intérêt à les définir. J'ai un problème de... Viens ici, avec l'alphabétique circulaire. Ah. Oh, excusez-moi, je suis en chaussette. Oui, et donc si... Tu es un alphabète. Je suis un alphabète, oui. Non, pas vraiment. Pourquoi? Circulaire. Ah oui, ouais. Effectivement, mais c'est parce que... C'est, enfin, j'imagine que tu as regardé Pérec pour ce genre de choses. C'est le... Comment est-ce que c'est ce roman sans... La disparition. Exactement. Il y a cette série où il énonce toute une série d'animaux et il dit qu'il part du zèbre à, je sais pas moi, à l'anaconda, du wapiti, et donc il part de la lettre Z, il décroît jusqu'à la lettre, je sais plus, ça doit s'arrêter à peu près à, on va dire peut-être à T, et ça croît dans l'autre sens, mais il manque effectivement... l'animal qui commençait par une lettre E, ça passe directement du D au F, c'est plutôt amusant. Oui, donc, si on essaie quand même de définir peut-être un élément qui ferait frontière par rapport au territoire de l'imagination, ça serait quand même, comme tu disais peut-être, une certaine culture dans laquelle on baignerait. C'est-à-dire que notre culture nous empêcherait peut-être d'imaginer des choses, ça créerait quand même frontière. Tu peux faire la condivision. Ton culture avec, par exemple, ma culture, ouais. C'est à Michel Akouche, ouais. Mouloud. A parlé de l'importance de créer un passage entre deux cultures. L'imagination peut être un passage entre les cultures, mais c'est un passage contradictoire et dangereux. Et moi j'avais une autre remarque justement par rapport à une intervention qui a eu lieu hier, donc, auquel tu n'as pas pu assister, qui était l'intervention de Louis de Fontenelle, donc le juriste, qui nous avait, qui avait fait qui avait énoncé une idée assez intéressante, qui était en fait une notion historique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on définit juridiquement la frontière comme une ligne, alors qu'à une certaine époque, on va dire au début du premier millénaire après JC, on voyait la frontière justement pas comme une ligne mais comme une zone, et c'est ce qu'on appelait la frontière marche, c'est-à-dire une frontière qui serait systématiquement une ligne à dépasser, un territoire à dépasser, justement dans cette idée d'empire. Peut-être qu'on pourrait parler d'empire de l'imagination, parce que il me semble que justement la frontière de l'imagination est systématiquement non pas une ligne tracée mais une ligne à dépasser pour aller au-delà et puis chercher mais autre chose. Mais pourquoi une ligne? Pourquoi une ligne? Oui, c'est une forme géométrique que nous trouvons dans le passé de l'histoire. Il y a Giulio Cesare, c'est ça? César. Qui a tracé avec la ligne la frontière de Rome. Tout le poids à voir dans la quadri. Tableau. Dans le tableau de Renaissance, tout le poids à voir, puis la première forme de séparation entre deux choses est la ligne. Bien sûr, oui, ouais. Et c'est la forme géométrique, mais c'est aussi la forme géométrique que c'est commun pour tout le peuple. Et c'est la capacité d'imaginer la limitation que c'est commun à toutes les cultures. C'est particulier par l'imagination parce que j'imagine une ligne pour tracer la frontière. Et tout, par exemple, aborigine, trace une ligne pour faire de frontière. Et aussi la ligne
semble de faire l'imitation instinctive comme forme géométrique. C'est mon opinion, c'est un hypothèse. Mais c'est très intéressant parce que dans les arts, dans la musique, tu trouvais à ligne. La littérature, par exemple, c'est à ligne pour tracer la séparation, ou aussi verticale. Ouais. La ligne, ça dit verticale. Ouais. Ouais. Sans des lignes. Merci. Bon. Je pense que j'ai imaginé tout. Oui. Ah, bonjour. Ce que vous avez raconté, ça m'a fait penser à quelque chose qui abonde dans votre sens et qui m'interroge un peu. Alors voilà, c'était dans un livre de neurosciences assez chiant, qui traite sens par sens. Et moi, je m'intéressais pas mal à la vision. La vision, oui. Voilà. Mais non pathologique. La physiologie, peut-être, je ne sais pas. Alors là, ce qui se passe, en fait, au fond de l'œil, on a la rétine sur laquelle se projette... Sur laquelle se projette l'image du monde qu'on voit à l'extérieur. Ouais. Et en fait, on s'est aperçu que l'image qui se projette sur la rétine est de très mauvaise qualité. Et on voit... D'ailleurs, le neurologue, à la fin, après cette constatation, il dit que, en fait, au lieu de voir, on imagine bien plus qu'on ne voit. Ouais. C'est le cerveau qui voit, mais c'est une création de l'esprit, comme c'est la perception est une projection. Ouais. Donc la réalité, c'est vrai, l'imagination. Ouais. Et c'est vraiment. Mais tout. Je suis encore l'œil, puisque l'image au fond sur la rétine, elle est pourrie, ouais. Alors qu'on voit bien. Mais tout, fait, de création. Quand tu veux, tout fait de création. Oui. Tu construis deux images mentales et construis ton imagination. Par exemple, j'ai fait l'exemple de la couleur. De la couleur. Oui, j'ai fait les exemples de couleurs. Oui, oui. Ouais. Nous avons 11 couleurs, par exemple. Couleurs. Mais il y a des cultures seulement deux, clair et obscur. Ah, oui. Il existe le rouge, mais il n'est pas nécessaire pour le définir. Mm. Et aussi, tu as la perception, la vision. Il le voit quand même. Oui, mais ce n'est pas nécessaire. Et aussi, nous avons à dire que l'imagination... C'est une nécessité. Et aussi la frontière, c'est une nécessité. Je peux dire un truc aussi par rapport à une expression, je ne sais pas trop ce que ça raconte, mais ça m'a évoqué ça, ce serait le mur de la pensée. En fait. Ouais. C'est une frontière, si on dépasse, comme vous dites, c'est difficile de définir le mot. Ouais. On est limité aussi. Le grand chef, parce que moi je suis le sous-chef, il me dit qu'il faut changer. Mais ça n'empêche que. Donc on va passer à l'intervention de Louise de Miranda.